Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Stella, Man, bonjour, bonjour à tout le monde ce matin. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonjour Zara, ou bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et pour ceux qui sont encore couchés, j'espère que la nuit se passe bien. Bon dimanche à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, ta douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous sauve tous. Je veux sauver tout, ta douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vous aime tous. Ta douce voix l'entendez-vous. Je veux vous aime tous. Je vous aime tous. Ta douce voix l'entendez-vous. Oh, je aime Oui, Jésus élève la voix. Jésus dit, il veut vous bénir tous, il veut vous sauver tous, il vous aime tous. Jésus nous aime tous. Je sais que Jésus t'aime, je sais que Jésus m'aime. Ce n'est plus une question, il n'y a plus de doute là-dessus. On ne se pose plus les questions si Jésus nous aime, si Jésus ne nous aime pas. Nous sommes conscients d'une chose. Que Jésus nous aime réellement. Il t'aime, bien-aimé. Je sais qu'il m'aime aussi. Pendant que tu y es, tu peux inviter quelqu'un. Bonjour Jobel, bonjour Grâce Divine. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Zara, bonjour Kwasi. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous allons continuer notre moment de méditation et d'adoration avec un autre cantique, bien-aimé. Nous allons prendre un autre cantique. Je sais que Zara, tu as passé une commande spéciale. Tu as demandé quelque chose de spécial. On va chanter, ne t'inquiète pas. Mirabel, bonsoir. Amen, amen, mon frère. Amen, mon frère, Justin. Demeure béni, mon frère, Kwasi. Demeure béni, toi aussi. Bon dimanche. Nous allons continuer avec une adoration. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La mission est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est un sauveur, oh mon frère, dont la paix
sa grâce à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître de moi. Sans franchir les mains bruyantes, tu peux annoncer, Jésus, que d'âme insouciante, de cœur souffrant et perdu, autour de nous levée grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux le dire, ce que Christ a fait pour toi, pour que lui même t'inspire, dis-lui, maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende, dire encore, je ne puis rien. Lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis notre tâche finie, nous dirons, maître, prends-moi. Puis notre tâche finie, nous dirons, maître, prends-moi. Puis notre tâche finie, nous dirons, maître, enseigne-moi. Bien-aimés, bonjour une fois de plus et bon dimanche à tous ceux qui se connectent. Hélène Marchelonda, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, c'est toujours un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver un dimanche comme celui-là. Peut-être tu n'es pas parti dans une église locale, mais je vais te dire, l'église est venue à toi, car Christ et l'église, par son esprit, il est venu à toi ce matin, afin que tu puisses aussi avoir part au repas du Seigneur. Bien-aimé, car aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur, et sur cette table, chacun aura de quoi manger. Chacun mangera à bouche, que veux-tu, ce matin. Chacun mangera selon ses désirs, selon ses goûts en cette matinée. Et je crois que le Seigneur a prévu un mets succulent pour toi, et tu vas le dévorer. Tu vas l'aimer, tu vas l'apprécier. Bien-aimé, apprête-toi à recevoir ce mets, apprête-toi à recevoir ce plat qui te fera surtout du bien ce matin au nom puissant de Jésus et qui te garantira, qui pourra t'aider à pouvoir tenir pendant toute la semaine. Parce que vous savez, il y a des plats qui sont consistants, il y a des plats qui nous permettent de tenir même pendant 4 heures, certains nous permettent de tenir pendant 6 heures, d'autres pendant 12 heures, d'autres pendant 24 heures. Il y a même des plats qui peuvent te permettre de tenir pendant 2 jours. Est-ce que tu le sais? Alors je vais te dire, la parole que tu vas recevoir ce jour est une parole qui va te permettre de tenir pendant 7 jours. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux dans son amour. Nous allons chanter donc ce cantique rock séculaire qui est la commande de quelqu'un, bien-aimé. Vous pouvez aussi le faire. Elle m'a un peu pris de coup. Elle m'a un peu pris de coup ce matin. Elle m'a envoyé un cantique. Elle m'a dit, papa, je veux que tu chantes ceci. Je veux que tu chantes pas seulement pour moi, mais je veux que tu chantes cela pour nous. C'est vrai, le texte qu'elle a voulu, ce n'est pas le même texte, mais j'ai la même mélodie. La même mélodie, rock séculaire, ça se chante autrement. Je sais qu'il y a une autre version sur les ailes de la foi qui parle plutôt de Jésus dans un autre sens, aussi dans un autre contexte. Mais que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez ce matin, que Dieu nous bénisse abondamment. Rock séculaire 126, pour les, ceux qui ont les recueils de cantiques, les chants de victoire. Et je vous ai dit, tous ceux qui en ont besoin, on pourra trouver un moyen de pouvoir vous en procurer. Demeure bénie, femme du Seigneur Déborah Kevela. Je sais que tu es en train de t'apprêter pour le grand culte. Et je sais que l'Esprit de Dieu va encore t'utiliser ce matin puissamment, afin que du côté du Cameroun, du côté de Yaoundé, je
crois que tu es au Cameroun actuellement. J'espère que tu ne t'es pas déplacé. Que Dieu t'utilise puissamment en cette journée afin que son peuple soit encore et encore rempli de sa grâce et de ses faveurs et ses bénédictions. Demeure béni, ma jolie Laurette, que Dieu te bénisse abondamment. Bokali, bonjour, bonjour Paola, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le rock séculaire. C'est en si bémol. Rock séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu sais mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante et mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Alléluia, alléluia. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, je viens à toi. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont là. Alida, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Bien, nous allons prendre encore un dernier cantique avant, après quoi nous allons prier. Chacun va entrer au plus profond de lui afin de demander pardon à Dieu. Parce que vous savez, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Nous offensons Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu 7 jours et pendant ces 7 jours, nous avons sûrement fait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas bien aux yeux de notre Père, aux yeux de Dieu. Chacun peut demander pardon à sa manière et ensemble, nous allons prier, nous allons confesser. Donc je vais donner le temps à chacun de pouvoir prier du lieu où tu es. Tu vas dire quelques mots à ton Dieu en tes paroles. Tu vas dire quelques mots à ton Dieu. Excusez. Tu vas dire quelques mots à ton Dieu ce matin. Tu vas dire
quelques mots à ton Dieu ce matin, en quelques mots, et tu vas pouvoir confesser pour demander pardon à Dieu pour peut-être quelque chose que tu as eu à faire en cette journée ou alors durant toute la semaine qui s'est achevée, qui n'a pas honoré ton Dieu. Tu vas lui demander pardon et ensemble, nous allons continuer avec le message. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train de t'apprêter pour élever ta voix. Nous allons encore prendre un cantique, bien-aimé. Nous allons encore prendre un cantique et après quoi, nous allons prier. Excusez-moi, on a eu un petit accident, mais ça va. Tout est OK. Alors, nous allons prendre un cantique. Nous allons prendre « Veux-tu briser le péché, le pouvoir ?»« Veux-tu briser du péché, le pouvoir ?» Tu es prêt? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. On va changer de tonalité parce qu'en fait, je crois que j'ai les prises très haute. On va changer de tonalité. Je crois qu'elle est en ah, d'accord. Excusez-moi, c'était une erreur. Ok, c'était là, c'est ça la tonalité. On va reprendre, on va repartir. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout effet. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, oui, yeah. La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, oui, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, ouh, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Père, merci pour cette matinée, merci pour 7 jours, ô mon Dieu, mon roi, pendant lesquels tu as veillé sur nous. Tu nous as donné la force, ô mon Dieu, de pouvoir nous tenir debout jusqu'à cette heure. Seigneur, beaucoup de nos amis, beaucoup de membres de nos familles, ô Dieu Tout-Puissant, beaucoup de ceux que nous connaissons, éteint du puissant, Seigneur, sont tombés en cette semaine, mais à nous, tu as accordé la grâce de pouvoir être encore en vie et debout en cette journée, que ton nom soit béni. Seigneur, nous n'avons rien fait de particulier pour mériter cela, ô mon Dieu, mais ta grâce nous a suffi. C'est pourquoi je te dis merci pour tes enfants, ô mon Dieu, ici présents. Je te dis merci, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour ceux de par les quatre, de par les coins du monde, ô mon Dieu, tu as veillé, éteint du puissant, Seigneur, tu as protégé, tu as gardé. Seigneur, tu as permis à beaucoup de tes serviteurs de pouvoir faire, de pouvoir mener à bien leur mission sur cette terre en cette semaine. Seigneur, tu as permis à ceux qui étaient pleurés, ô mon Dieu, de pouvoir être forts, de pouvoir se relever. Seigneur, parce que, mon Dieu, tu es celui-là qui tient nos vies, éteint du puissant, Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, en cette semaine, tu nous as aussi fait sourire et nous voulons être reconnaissants et te dire merci. Merci. Père, trois fois saint, on a eu un cœur rempli de joie en cette semaine. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as relevé ceux qui sont tombés en cette semaine. Nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons aussi te demander pardon parce que sûrement nous t'avons offensé par ce que nous avons dit, par ce que nous avons entendu, par nos comportements, par nos regards. Seigneur, par les pensées de notre cœur, ô Dieu puissant, nous t'avons offensé, nous te demandons pardon, afin que notre Dieu et notre roi éternel, tu ne nous juges pas selon nos défauts, tu ne nous juges pas selon nos fautes, mais que tu nous juges selon ton amour. Seigneur, ton amour qui supporte tout, qui accepte tout, qui croit tout, ô Dieu puissant, crois, ô mon Dieu, que nous sommes réellement, éteint du puissant, Seigneur Père, coupables, et nous reconnaissons, ô mon Dieu, que nous avons fait ce qui est mal devant de toi, et nous te demandons pardon. Seigneur, crois-nous. Demande, pardonne-nous, éternel, relève-nous, éteint du puissant Seigneur. Donne la force, Seigneur, à ceux qui sont désespérés, que ce matin, ô mon Dieu, ils retrouvent encore l'espoir, le courage de pouvoir avancer. Car notre Dieu et notre Père, chaque jour, ô Dieu puissant Seigneur, est une journée de combat pour nous. Mais nous savons que nos challenges, nos défis, c'est toi qui les relèves pour nous et tu nous rends forts. Père, merci, parce que ce moment, ô mon Dieu, est entre tes mains. Je disparais afin que toi tu apparaisses. Je me fais tout petit afin que toi tu grandisses, que tu croisses et que tu parles à ce peuple, que tu parles à ceux-là que tu as choisi aujourd'hui de pouvoir écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, oui,
j'ai soif de t'adorer, moi j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te louer, nous avons soif de te louer. Te louer, nous avons soif de te louer, Seigneur. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. T'exalter, nous avons soif de t'exalter. T'exalter, nous avons soif de t'exalter. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'exalter. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'exalter. Te connaître, Seigneur. Nous avons soif de te connaître, mon roi. Nous avons soif de te connaître. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te connaître. Gabio Osio, Gabio Osio, you are the king above all the earth. Gabio Osio, Gabio Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, you are the king above all the earth. Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, you are the king above all the earth. You are the king above all the earth. Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio, Gabi Osio. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur pour cette matinée de gloire, matinée d'adoration. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Alléluia, nous donnons toute la gloire à notre Dieu ce matin parce qu'il mérite nos louanges, il mérite nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Mais pendant que tu acclames, ce n'est pas pour le pasteur que tu acclames pour Dieu, tu acclames pour Jésus qui est roi, qui mérite nos acclamations ce matin, qui mérite d'être loué, qui mérite d'être célébré, qui mérite d'être exalté, qui mérite d'être exalté, bien-aimé. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu par... Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Bien-aimé, acclame ton Dieu ce matin, acclame le Seigneur ce matin, car il est digne, il en est digne ce matin, il en est digne, bien-aimé, il en est digne. Est-ce que tu peux acclamer? Je veux te voir acclamer. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Permettez-moi de brancher mon PC afin que nous puissions commencer. Bien-aimé, pendant que tu y es, tu peux inviter quelqu'un. J'espère que tu es en train de le faire en ce moment. Je sais que tu es en train d'inviter quelqu'un en ce moment pour se connecter à ce direct, à ce message, bien-aimé, très important, bien-aimé, très important. Je sais que tu es en train de te connecter, j'espère que tu es déjà connecté même. J'espère que tu es en train d'inviter quelqu'un déjà pendant que nous y sommes. Tu es en train d'inviter quelqu'un pendant que nous y sommes. Pendant que nous y sommes, tu es en train d'inviter quelqu'un, tu es en train de partager sur ton mur, tu es en train de partager sur ta page, peut-être tu es en train de partager afin que tu puisses aussi encourager quelqu'un. Bien-aimé, notre thème, vous l'avez vu sûrement déjà sur le mur Facebook. Vous avez déjà vu notre thème. Vous savez de quoi est-ce que nous allons parler ce matin. Bien-aimé, Dieu a attiré mon attention sur un certain nombre de choses et je voudrais que avec toi et moi, nous puissions ensemble
nous sonder les Saintes Écritures, que nous puissions ensemble écouter ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager pendant que tu es? Est-ce que tu peux partager pendant que tu partages? Tu fais du bien à quelqu'un. Pendant que tu partages, tu fais du bien à quelqu'un. Pendant que tu partages, tu fais du bien à quelqu'un. Certains choisissent en fonction de tes choix. Waouh! Certains choisissent en fonction de tes choix. Certains choisissent en fonction de tes choix. Demain béni Alvin, Jobel, demain béni Zara, demain béni, je ne veux pas citer tout le monde, je sais que vous êtes tous là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Certains choisissent en fonction de tes choix. Certains vont faire leur choix en fonction des tiens. Certains vont opérer des choix dans leur vie en fonction de tes choix. Bien-aimé, je veux que toi et moi, nous prenons vraiment de temps pour écouter cette parole avec l'esprit, avec l'esprit, certains choisissent en fonction de tes choix. Mais ouvrons nos Bibles, bien évidemment. Bon dimanche déjà à tout le monde, à ceux qui viennent d'arriver. Je souhaite encore un bon dimanche. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent se connecter. J'ai vu certains se connecter et repartir, disparaître quelques minutes après. Il n'y a pas de problème, je comprends aussi cela. Je comprends aussi cela. On peut comprendre. Ah oui, c'est le jour de notre délivrance. Amen, c'est le jour de notre délivrance. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais vous les gens qui pourront poster les premiers. Bonjour Polycap, bonjour mon commissaire, bonjour, demeure béni. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19, on va aller très vite. Certains pourront poster tout simplement les versets. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire cela pour nous? Si quelqu'un peut lire, je t'invite, tu lis tout simplement. Si quelqu'un peut lire, si quelqu'un peut lire, j'ouvre. Je vais noter les versets bibliques en commentaire. Vous pouvez les voir en commentaire. Et puis, si quelqu'un peut lire, il les lira pour nous afin que quelqu'un soit édifié. Bien-aimé, on a donc Jean chapitre 5, verset 19. Et nous aurons 1 Corinthiens. Nous aurons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Verset 1er. Et puis nous aurons encore 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 12 au verset 17. Voilà les passages que nous aurons ce matin. Voilà, j'espère que vous avez tous ces passages. Voilà les passages que nous aurons ce matin. Valentin, bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous commençons par Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Si tu peux lire, je te fais intervenir. Tu lis tout simplement et nous avançons. Nous voulons lire, nous voulons être vraiment en direct. Nous voulons vraiment faire du live de manière à ce que quelqu'un puisse intervenir. Si tu veux intervenir, je te fais intervenir. Et puis, tu lis pour nous, si tu as ta Bible. J'espère que tout le monde a sa Bible ce matin. C'est très important. C'est la seule chose que je vous demande souvent, c'est d'avoir vos Bibles. C'est d'avoir vos Bibles pendant que le message passe. C'est d'avoir vos Bibles, avoir vos Bibles. Ayons nos Bibles, bien-aimés. Ayons nos Bibles. Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit. Je lis pour nous au nom puissant de Jésus. S'il n'y a personne qui pourra le faire parce que nous voulons aller très vite. Nous voulons plus les longues. Nous voulons plus les longues. Des longues vidéos, on ne veut plus des longs directs parce qu'en fait, ça endorse beaucoup de personnes. Et certains se fatiguent, certains se lassent. Alors, nous préférons maintenant aller très rapidement. Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je vais relire. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Nous ouvrons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er, il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Nous allons... Ah, tu peux lire Zara. Oh, ok Zara, lis pour nous donc. Lis donc pour nous 1 Corinthiens 7 du verset 12 au verset 17. Zara, si Zara peut lire, je vais t'inviter et tu vas lire.
Ok, Zara, tu vas valider. Tu vas valider. Oui, Zara, tu nous lis donc 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 12 au verset 17. Nous avons déjà lu le premier passage. Alors, Zara, tu vas lire, tu vas intervenir. Valide ton invitation, valide l'invitation et puis tu pourras lire. Valide ton invitation, puis tu pourras lire. Si tu ne valides pas, accepte, parce que je t'ai envoyé l'invitation pour que tu puisses lire. Ou alors, je sais pas, peut-être tu voulais poster, je sais pas. Je sais pas si tu voulais poster. C'est toi que nous attendons, hein, Zara. C'est toi que nous attendons. Nous attendons pendant que nous sommes, mettons déjà sur les premiers passages qui ont été lus. On a lu Jean 5, chapitre, on a lu Jean, chapitre 5, verset 19, et nous avons déjà lu aussi 1 Corinthiens 11, verset 1er. Oui, pendant que nous sommes, en attendant que Zara puisse lire pour nous, c'est toi que nous attendons, c'est toi que nous attendons. Allons-y rapidement, allons-y rapidement, allons-y rapidement. 1 Corinthiens 7. Oh, ça passe pas. OK, bon. Zara, ça dérange. Alors, moi, je vais essayer de lire. S'il n'y a personne d'autre pour lire, c'est là pour nous. Moi, je vais lire. S'il n'y a personne d'autre pour lire pour nous, je vais lire. Je ne sais pas s'il n'y a personne d'autre. Moi, je vais lire. Constate qu'il n'y a personne. N'arrive pas à accepter. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. On va avancer, on va avancer, on va avancer. S'il n'y a personne d'autre, on va avancer pour gagner en temps. D'accord? J'espère que ça va aller prochainement. Alors, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12 au verset 17, il est écrit: Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ou que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Oh, malheureusement, Alida, j'ai déjà lu, que Dieu te bénisse. Peut-être dans notre passage, sinon notre passage, je donnerai la parole, tu pourras lire pour nous. Que Dieu vous bénisse par cette, que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole puisse nous amener à comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu pour nous ce matin. Bien-aimés, certains choisissent en fonction de vos choix. Mais si l'Esprit de Dieu donne ce thème aujourd'hui, c'est parce que, en réalité, il s'est rendu compte de ce que nous ne tenons pas compte de ceux qui sont tout autour de nous. Parce que beaucoup de personnes croient qu'ils vivent leur vie chrétienne, la vie chrétienne, ils disent, je mène ma vie chrétienne, c'est ma foi. Est-ce que c'est ta foi? Ça te regarde en quoi? C'est ma vie chrétienne. Mais ça, c'est ma foi. Je prie quand je veux, je fais comme je veux, je marche comme je veux. Ça te regarde en quoi? On a comme l'impression que lorsque les gens viennent nous donner conseils, on dit, mais de quoi se mêle-t-il? Pourquoi est-ce qu'il veut parler comme ça? De quoi? C'est ma vie. C'est à moi de regarder les choses comme je veux. Je les vois telles que moi je veux. Je suis pas obligé de marcher comme tu veux. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de marcher comme je veux, mais tu es obligé de marcher comme Christ veut. Tu es obligé de marcher comme la foi le veut. Et qu'est-ce que la foi dit? L'apôtre Paul parle ici, et là, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, c'est lui qui le dit. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil, mais il part finir son conseil en disant, je l'ordonne à toutes les églises. Il dit, je l'ordonne. Ça veut dire que ce n'est plus une histoire de, ce n'est plus un simple conseil. Ça devient maintenant une loi. Il dit, je l'ordonne dans toutes les églises. Je l'ordonne dans toutes les églises. Qu'il en soit fait ainsi. Que cela se passe ainsi. J'ordonne que ça se passe ainsi. Ça veut dire que, à un moment donné, il faut que tu comprennes. Nous devons comprendre une chose. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu voudrait nous enseigner ce matin. Nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous copions de Christ. Il faut que tu comprennes cela. Écoute-moi très bien, parce que c'est là où toute la prédication, tout le message se tient. C'est là où tout le message se trouve. C'est là où se trouve la profondeur, la révélation même du message. Mais Christ est l'imitateur de son Père. Christ est l'imitateur de son Père. Nous sommes dans une chaîne où Christ est l'imitateur de son Père. Le Père réalise les œuvres.
Le Père fait certaines œuvres et son Fils Christ observe et voit ce qu'il fait et reproduit ce que son Père fait. Et en même temps, Christ maintenant qui est la tête de l'Église, l'Église observe ce que la tête fait et l'Église suit. Mais maintenant, ce que l'Église devrait savoir, c'est que l'Église ne s'observe pas elle-même. L'Église ne s'observe pas. Dieu ne m'a pas demandé d'être le gardien de ton âme, ça c'est sûr. Je ne suis pas le gardien de ton âme. Et je ne dois pas te copier. Mais le chrétien ne copie pas son frère. Le chrétien ne copie pas son semblable. Le chrétien copie Christ. Mais c'est le mondain qui va te copier. Le mondain te copie. Le mondain t'imite. Voici dans la chaîne. Christ imite son Père. L'Église, le chrétien, imite Christ. Et le mondain imite le chrétien. Pourquoi? Parce que, en fait, pour imiter quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu n'as pas connu. C'est pour cela que tu vas voir les humoristes avant d'imiter la voix de quelqu'un, la voix d'un politicien, par exemple, avant d'imiter la voix de quelqu'un. Il prend le temps, il étudie. Il étudie. Tu ne peux pas imiter celui que tu n'as pas connu. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu n'as pas connu. Tu prends la peine de connaître quelqu'un afin de pouvoir l'imiter. Le monde ne peut pas imiter Christ. Le monde ne peut pas observer Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. Et nous aussi, pour mieux connaître le Père, qui nous introduit au Père, c'est Christ. C'est pourquoi nous restons les yeux figés sur Christ, afin que lui qui regarde le Père, tel qu'il a été transformé de gloire en gloire en observant son Père, nous aussi, en l'observant, serons aussi transformés de gloire en gloire. Et le monde sera transformé de gloire en gloire en nous observant. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas te rendre compte que malgré tout ce que tu fais, les gens t'observent. Si tu persévères dans la foi sans défaut, bien-aimé, parce que Christ en toi va révéler, bien-aimé, Christ est peut-être en nous. On dit souvent, ah, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans le physique. C'est vrai, c'est une réalité. Mais en réalité, le physique est conditionné par ce que vit l'intérieur. Mais ce que nous sommes à l'intérieur va finir par se révéler et produire au niveau de l'extérieur. De manière à ce que ceux qui sont dans le monde, parce que le monde ne connaît pas l'esprit, le monde ne connaît pas la parole de Dieu, le monde ne connaît pas les secrets de Dieu. Pour que le monde connaisse le secret de Dieu, en réalité, c'est à travers nous, c'est par nous, c'est par nos œuvres que le monde va connaître Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut donc dire, toi femme chrétienne, toi fils de Dieu, si tu es marié, si tu es lié à une femme, à une fille qui ne connaît pas le Seigneur, si tu es lié à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne te sépare pas de lui parce que à travers ce que tu fais, c'est pas tes œuvres que lui aussi il va faire. C'est pas tes œuvres qui va te suivre. C'est pas tes œuvres qui va suivre le Seigneur. Bien-aimé, beaucoup de personnes nous observent. Et c'est quand elles réalisent en fait que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, qu'elles se mettent à nous suivre. Tant que tu n'es pas sérieux, les gens ne te suivront pas. Ça, c'est une réalité. Les gens ne suivent pas ceux qui ne sont pas sérieux. Moi, je vous prends cet exemple-là. Moi, je parle souvent, j'aime souvent prendre des exemples sur moi. Je n'aime pas trop prendre des exemples sur des vies d'autres personnes. Je parle souvent de moi. J'étais dans un pays, j'étais au pays, par exemple, j'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, je prêchais déjà comme vous me voyez prêcher. J'enseignais, ça je vous le dis tout le temps, j'enseignais déjà comme vous me voyez enseigner. Mais en réalité, il y avait un problème, c'est que beaucoup de personnes ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne savaient pas que ce que j'étais en train de faire, j'étais sérieux. Non, mais c'est-à-dire que non, il prêche parce qu'il va aller en Europe. Il prêche parce qu'il est devenu aussi pasteur parce qu'il cherchait l'argent. C'est ça, tu sais, vous savez que c'est la mentalité en Afrique aujourd'hui. On se dit, tout le monde qui est devenu pasteur, qui est devenu enfant de Dieu aujourd'hui parce qu'il cherchait de l'argent. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être le cas de certaines personnes, mais ce n'est pas le cas pour moi. Alors, beaucoup de personnes vont croire lorsqu'elles vont comprendre que vous êtes sérieuse. Alors, les gens m'observaient sans que je ne sache qu'ils m'observaient. Les gens regardaient et ils se disaient, ok, on va voir jusqu'où. Ah, c'est parce qu'il veut à tout prix voyager. Non, c'est parce qu'il veut à tout prix ceci. C'est parce qu'il veut à tout prix telle chose. Ils t'observent, ils te guettent, ils te guettent, ils ne te le disent pas. Ils ne te le diront jamais que là tu vois, je t'observe. Non, mais sache qu'en réalité, ils sont en train de t'observer. Et la plupart qui m'observaient ainsi, bien aimé, lorsque je suis arrivé en Europe, on constatait que maintenant, le type-ci, dont il était même serré dans ce qu'il faisait, dont c'est réellement, il veut vraiment servir le Seigneur. Et quelqu'un me l'a dit un jour, qu'en fait, il ne croyait pas que tu servais Dieu. Il ne croyait pas que tu étais serré dans ta marche chrétienne. Il ne croyait pas que tu étais serré quand tu disais que tu es devenu pasteur. Il ne croyait pas que tu étais serré quand tu disais que tu es devenu chrétien. En réalité, bien-aimé, nous devons savoir que les gens vont opérer des choix en fonction de nos choix. Bien-aimé, si tu as fait un choix, c'est aujourd'hui que nombreux commencent à suivre le Seigneur parce qu'ils voient quoi? Les évidences.
C'est quand il voit les évidences qu'il commence à choisir. C'est quand il voit les évidences dans notre vie qu'il commence à dire, OK, moi aussi, je veux aussi suivre comme il fait là. Moi aussi, je veux le suivre. Sûrement, moi aussi, je peux devenir comme lui. Sûrement, moi aussi, je peux devenir comme lui. Mais malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement, bien-aimé. Si Christ donc observe, si Christ donc regarde à son Père, et nous, nous regardons à Christ, sachant aussi que le monde nous observe. Chacun a son fan quelque part. Quand on parle des suivants sur Internet, quand on parle des suiveurs sur Internet, les gens te suivent par rapport à ce que tu fais. Les gens te suivent par rapport à ce que tu réalises. Les gens te suivent par rapport à ce que tu poses comme acte. Les gens te suivent par rapport à ce que tu fais. Bien-aimé, si tout ce que tu fais n'est pas bon, les gens ne te suivront pas. Si ce que tu fais n'impacte pas, on ne te suivra pas. Si ce que tu fais n'est pas juste, on ne te suivra pas. Les gens te suivent en fonction de ce que tu fais. Alors aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Il y a ça, j'avais ce problème-là à un moment donné. Je crois que c'était un sérieux problème. C'est que j'ai un petit frère, un petit cousin qui a commencé à m'imiter. Mais lui, alors, il imitait au point où il devenait un peu fou parce que il est allé jusqu'à prendre mon nom. Il allait jusqu'à prendre mon nom, à prendre mon prénom, à prendre, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, il voulait faire comme moi, il voulait me ressembler. Et on a organisé même des réunions dans la famille pour dire, mais celui-ci, pourquoi il va à tout prix être comme toi? Moi-même, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il voulait être comme moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il voulait faire comme moi. Mais je sais une chose, c'est que le gars avait changé son nom, il avait changé sa démarche, mes habits, il voulait les porter. Je vous assure, il était arrivé au point où, moi, j'ai cru que c'était de la sorcellerie parce que c'était devenu un truc que je ne peux pas expliquer. Il prenait même il volait même dans ma chambre, il entrait dans ma chambre, il prenait mes sous-vêtements. Je dis, mais ça, c'est la sorcellerie, ce que tu as en train de faire. Oh, le gars avait un idéal. Le gars avait, pour lui, il avait un modèle. Les gens sont en quête de modèle. Ce qui fait que tu peux voir une chemise, quelqu'un dit, j'ai envie de porter la chemise que Georges Clooney avait. J'avais envie de porter la chemise, j'ai envie de porter la robe que Beyoncé avait. J'ai envie de porter. Parce que, en fait, les gens font les choix en fonction de vous. Chrétiens, sachez que les mondains doivent faire les choix en fonction de nous. Les mondains feront toujours les choix en fonction de nous. Mais les mondains nous observent. Et c'est pour cela que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Notre révélation, c'est quoi? C'est que nos choix, ce que nous avons choisi, mais si ça marche, automatiquement, ils vont nous suivre. Automatiquement, mais si ça ne marche pas, ils diront qu'en fait votre Dieu est faux. Ils diront, ah, il sait quoi, il ne connaît même pas Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimé, je peux vous assurer que si j'ai des frères, dans la chair, j'ai des sœurs dans la chair qui suivent, qui me suivent, c'est parce qu'en fait, ils ont vu la réalisation, ils ont vu la réalisation de la parole de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça. Et chacun de nous doit être un témoignage pour son entourage. Donc, il y a ceux qui t'observent. Et moi, j'ai un de mes petits frères qui m'a dit un jour, il me dit, n'écoute pas ce qu'on te dit. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un est venu dire, ah, lui passe son temps à prêcher sur Facebook. Il presse sur Facebook. Est-ce qu'on part en Europe pour aller prêcher sur Facebook, pour aller enseigner la parole de Dieu? Bon, j'ai compris son problème. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est sa vision à elle. Je ne peux pas en vouloir à une telle personne. Et un de mes petits frères est venu derrière me dire, grand frère, n'écoute pas les choses là. Toi, tu es un modèle pour nous. J'ai regardé, je dis, Seigneur. Il dit, un modèle. Je suis un modèle pour lui. Il n'est pas encore baptisé. C'est-à-dire que il n'a pas encore connu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il n'a pas encore connu la révélation, mais il me sort ce genre de paroles, bien-aimé. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je ne dois pas faillir parce que beaucoup de personnes font les choix en fonction de mes choix. Beaucoup de personnes vont commencer à vouloir agir comme vous, à vouloir parler comme vous, à vouloir réagir comme vous, à vouloir vous se présenter même sur Facebook comme vous. Bien-aimé, nous sommes tous des imitateurs de quelqu'un. Malheureusement, nous imitons les mauvaises personnes parfois. Nous sommes tous les imitateurs de quelqu'un. Même ceux qui chantent, ceux qui parlent parfois, même dans une église, vous allez vous rendre compte que si le pasteur parle une langue, tous ses brebis, tous les brebis parlent la même langue. Vous allez vous rendre compte que quand le pasteur dit « shababababababa », toute l'église aussi, tous parlent de la même langue. Parfois, c'est une fausse langue que l'église parle parce qu'en fait, pour eux, leur pasteur est un modèle. Malheureusement, ils n'ont pas compris que l'Église n'a pas pour modèle l'homme. L'Église a pour modèle Dieu. Mais malheureusement, en réalité, c'est le monde qui a pour modèle l'Église. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, Saint-Esprit de Dieu. Le monde a pour modèle l'Église, mais l'Église a pour modèle Christ.
Le monde a pour modèle l'Église. T'as vu que le monde a pour modèle, c'est toi qui es le modèle du monde. C'est toi qui es le modèle du monde. Mais toi, en réalité, moi, je ne suis pas ton modèle. Je ne dois pas être ton modèle parce que je suis chrétien comme toi. On a un même Père. C'est celui qui doit être ton modèle, c'est ton Père qui est Christ. C'est Christ qui est notre modèle. C'est Christ qui est l'image que nous devons copier. Pourquoi nous devons être dans cette chaîne, dans cet aliment de choses? Pourquoi? Parce que c'est Christ que nous connaissons. Toi, tu ne me connais pas. Celui qui t'a changé, celui qui t'a transformé, c'est Christ. Celui qui t'a sauvé, c'est Christ. Celui qui t'a élevé, c'est Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois copier Christ. Mais moi, ne me copie pas, ne m'imite pas, ne m'imite pas. Même si, au fond de nous, nous voulons ressembler à tel coach, nous voulons ressembler à tel pasteur, nous voulons ressembler à tel... Or, Christ lui dit non, tu peux mieux faire que moi-même. Tu peux même faire des choses plus grandes que celles que moi j'ai eu à faire. Alléluia. Certains choisissent donc en fonction de tes choix. C'est en fonction de tes choix que certains vont choisir. Certains vont décider en fonction de tes décisions. Ils vont dire, moi aussi je fais comme ça là. Pourquoi? Il ne pourra pas dire aux gens simplement pourquoi est-ce qu'il le fait. Mais au fond de lui, il sait qu'il le fait à cause de toi. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. L'apôtre Paul dit donc, ne te sépare pas. Ne te sépare, ne te sépare pas. Ne te sépare. Quand il dit ne te sépare pas, c'est que ne te sépare pas premièrement de ton alliance. Quand il parle d'alliance, ce n'est pas forcément l'alliance avec l'autre. L'alliance premièrement que tu as avec ton modèle, l'alliance que tu as avec ton modèle qui est Christ. Ne te sépare pas de ton alliance parce qu'en fonction de la marche dans ton alliance, les gens t'observent aussi. Est-ce que tu marches comment avec Dieu? Ne baisse pas les bras parce que ce que tu es en train de faire, les gens sont en train de copier. Et nombreux sont en train de venir à Christ à cause de toi. Nombreux sont en train de venir et comprendre ce que c'est que la vie chrétienne à cause de toi. Nombreux sont en train de changer de modèle de façon à cause de toi. Ce n'est pas mauvais. Beaucoup de mondains sont en train de suivre aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que Christ, ah, ça change vraiment les vies. Vraiment être en Christ, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose de bien. Il y a quelqu'un qui doit nous écouter. Il y a quelqu'un qui doit nous, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous observe quelque part. Il t'observe. J'ai dit, mes voisines à Yaoundé ont envoyé le message. J'ai envoyé ma mère m'appeler, me dit, oh, vraiment, on ne savait pas. Nous, on voyait le gars là prêcher ici, là. Il prêchait même chez lui. Il nous invitait même pour partir sur écouter les prédications dans sa maison. Il nous invitait même, parfois, il classait ses chaises, il classait les chaises et il nous invitait pour prêcher. Nous, on croyait qu'il blaguait. On ne savait pas qu'il était sérieux. Pardon, demande-lui, donne-lui mon numéro, qu'il m'appelle. Pardon, je veux servir le Seigneur. Pardon, je veux servir. Qu'il m'indique une église. Les gens veulent aller à l'église aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu les évidences. Ils ont vu les évidences. Le choix. Tes choix. Le choix que tu as fait. Parce que le choix que tu as fait va produire les évidences. Le choix que tu fais va produire les évidences. Quand tu pars choisir une veste, bien-aimé, le fait d'avoir acheté la veste ne suffit pas. Le fait d'avoir acheté une cravate ne suffit pas. Le fait d'avoir acheté une pochette ne suffit pas. Non, ce n'est pas parce que tu as acheté une veste. Ce n'est pas parce que tu as acheté une cravate. Ce n'est pas cela qui suffit. Ce qui va attirer les autres, c'est quand tu vas mettre ta cravate, tu vas mettre ta veste, tu vas mettre ta chemise, tu mets ta cravate, tu mets la veste, on va dire, oui, les couleurs là, ça va. Les couleurs là, ça va. Moi aussi, prochainement, quand je vais aussi aller acheter, là, j'aurai besoin d'acheter un costume, il faut que j'achète. La veste, la même veste que j'ai vu le pasteur avec, j'ai mis la même cravate. C'est comme ça. Les gens font les choix en fonction de nous. Les gens font les choix en fonction des autres, bien aimés. Et c'est comme ça. Que ce soit en musique, en paix, que Dieu te bénisse. Que ce soit en musique, Rosemonde, afin que Dieu te bénisse. Que ce soit en musique, que ce soit dans la culture, dans tous les domaines, bien aimés. Même dans le domaine chrétien, même dans le domaine spirituel, certaines personnes font les choix en fonction des autres. Certains veulent ressembler à leur père spirituel. Certains veulent ressembler, je ne sais pas à qui, à leur frère même dans la foi. Certains veulent avoir l'image, veulent ressembler à d'autres. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tes choix ont impacté. Et tes choix ont impacté un maximum de personnes. Et il faut que ça continue ainsi. Ça veut dire que si tu baisses les bras, si tu abandonnes dans la foi, mais ceux qui étaient en train de te suivre vont retourner. Ils vont abandonner. Or, tu étais déjà sur le point de les gagner à Christ. Certains choisissent donc en fonction de toi. Certains choisissent en fonction de nous. Est-ce que je dois baisser les bras? Mais quand je me retourne, par exemple, je vois mes frères et sœurs. Je vois mes frères et sœurs, je vois mes petites sœurs, je vois mes petits frères qui sont en train de me suivre. Bien-aimé, je dis seulement, Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Parce que, en fait,
je réalise peut-être parce qu'à un moment donné, il est possible que toi-même, tu doutes. Peut-être parce que le changement a devenu très difficile pour toi. Ça devient difficile. Tu n'as pas d'argent, tu es bloqué, tu as ceci qui te manque, tu as ceci. Les choses, ça ne va pas. Les finances, ça ne va pas. Tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de mari. Tu es là, tu te poses des questions. Est-ce que je suis véritablement dans le Seigneur? Mais quand tu regardes derrière toi, tu vois qu'il y a une foule qui te suit. Tu dis, hey, ça veut dire que je suis le véritable. Et c'est ça qui doit nous motiver. Le plus souvent, retournons, nous regardons qui nous suit. Qui nous suit? Est-ce que les gens nous suivent? Et si les gens nous suivent, ils nous suivent pourquoi? En réalité, les gens nous suivent parce qu'ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Parfois, nous ne voyons pas ce que Dieu a fait dans notre vie. Parce que quoi? Notre bonheur est toujours situé à une distance. Notre bonheur est toujours dans ce que nous n'avons pas encore. Or, ce que nous avons déjà peut déjà constituer aussi notre bonheur. Je disais encore à une sœur dernièrement, elle fait que me parler du mariage. Je lui ai posé la question. Je dis, ma sœur, dis-moi un peu, qu'est-ce que l'homme apportera dans ta vie? Qu'est-ce que l'homme apportera dans ta vie? Elle me dit, pasteur, comment tu peux dire ça? Tu enseignes avec ta femme. Je dis, qu'est-ce que l'homme va apporter dans ta vie? Elle n'a pas compris ma question. Qu'est-ce que l'homme va apporter dans ta vie? Je lui dis, maman, si tu n'es pas heureuse, si tu n'es pas joyeuse étant seule, ce n'est pas quand tu seras avec l'autre que tu seras joyeuse. Ce n'est pas l'homme qui t'apportera la joie. Ce n'est pas l'homme qui t'apportera la stabilité. Bien-aimé, une personne qui est malade ne peut pas se marier. Si déjà tu n'es pas heureuse tout seul, c'est parce que quoi? Le mariage, c'est quoi? C'est de pouvoir apporter, dire que je m'en vais donner du bonheur, je m'en vais apporter du bonheur à l'autre. Je m'en vais donner du bonheur à quelqu'un d'autre, à quelqu'un que je ne connais pas, à une personne, je ne sais pas de quelle famille elle sort, mais je m'en vais donner mon bonheur. Si tu pars avec tes, je sais pas quoi, ta tristesse, avec ton fardeau, tu pars déposer encore cela sur quelqu'un bien-aimé, tu seras en train de décrire la personne. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que l'homme t'apporte? Tu attends quoi de l'homme au point où ça devient une obsession pour toi pour te marier? Et ça fait en sorte que même dans tes choix, même dans ta vie chrétienne, j'ai comme l'impression que tu pries parce que tu veux le mariage. Tu ne pries pas parce que tu veux connaître Dieu. Tu ne pries pas parce que tu veux avoir une relation avec Dieu. Oh, je voudrais que ma relation avec toi, je veux que chaque fois que tu viennes me rencontrer, tu me dis, Seigneur, tu me dis, pasteur, apprends-moi à connaître Dieu. Ne m'apprends pas à connaître ce que c'est que le mariage, mais apprends-moi à connaître qui est Dieu. Mais quand je vais t'apprendre, je vais t'enseigner à connaître qui est Dieu, tu finiras par l'aimer. Et parce que Dieu saura que tu l'aimes, alors il te donnera ce qui appartient à ses enfants et à ceux qu'il aime. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de l'homme? Qu'est-ce que tu attends de l'homme? Tu attends quoi de l'homme? Tu attends quoi du travail? Qu'est-ce que le travail? Tu vas dire non, parce que j'aurai l'argent pour manger, je pourrais vivre, je pourrais mieux payer mon loyer, je pourrais bien faire ceci, je pourrais résoudre mes factures. C'est une bonne chose. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Car je connais beaucoup de personnes qui gèrent leurs factures, je connais beaucoup de personnes qui payent leur maison, je connais beaucoup de personnes qui ont des grosses voitures, qui mangent comme ils veulent, mais qui n'ont pas la paix, qui ne sont pas joyeux. Car bien aimé, la joie, c'est tout autre chose que le matériel. Est-ce que toi-même, tu as une joie interne? Et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup de personnes n'ont pas cela. Ce qui fait qu'à un moment donné, si tu arrêtes de considérer ce que Dieu a fait déjà dans ta vie, bien-aimé, tu ne pourras même pas considérer ce qu'il pourra faire. Parce qu'en fait, tu vas continuer à voir qu'il n'a rien fait. Or, à la position où tu te situes, bien-aimé, Dieu a déjà beaucoup fait jusqu'à aujourd'hui. Dieu a déjà fait beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Connais-tu le nombre de personnes qui sont mortes dans ton entourage, qui ont la même âge, qui avaient le même âge que toi, qui avaient la même nationalité que toi, qui avaient la même situation économique que toi, qui sont partis? Mais notre bonheur ne se résume pas, ne se mesure pas à ce que nous n'avons pas, mais le bonheur se mesure à ce que nous avons déjà. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. La marche chrétienne, bien-aimé, ne se résume pas, ne s'arrête pas à nous, tout simplement. Bien-aimé, je ne marche pas seulement pour moi. Je ne persévère pas seulement pour moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, je suis pressé d'aller rencontrer les héros des temps passés. Je suis pressé d'aller vers mon Père. Mais quand je vous observe, quand je vous vois, je me rends compte qu'il y a encore des choses à faire. Je suis obligé de rester encore sur terre parce qu'il faut que je vous enseigne. Car il n'est pas normal que je sois sauvé seul et que vous soyez égaré. C'est pourquoi, à un moment donné, tu peux voir un pasteur souffrir, tu peux voir un pasteur vivre dans les moments très difficiles, mais il continue à prêcher. Pourquoi? Parce qu'il dit, à un moment donné, il faut qu'il arrête de vivre pour lui-même. Il faut qu'il arrête de penser à lui, mais qu'il pense à ceux qui le suivent. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent.
Il y a les gens qui nous suivent. Il y a les gens qui nous observent. Il y a les gens qui nous guettent. Il y a les gens qui nous regardent. Et qui sont que nous, ils observent. Ils posent le pas. Parfois, ils se cachent. Ils se cachent. Ah, tu es parti à l'église aujourd'hui? Non, non, non. Je partais juste à compète. Moi, j'ai eu. Tu as ce genre d'amis. Hé, hey, Jean, tu étais à l'église aujourd'hui? Non, non, je n'étais pas à l'église. Je t'ai accompagné. Je t'ai accompagné le frère là. Je t'ai accompagné Marcel parce qu'il voulait partir à l'église. Il avait un programme là-bas. Moi, je sais que moi, à l'église, moi, je ne pars pas à l'église. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Il cache, en fait. Il ne veut pas te dire crédit, crédit dessus. Oh, il te voit, il t'observe. Bien aimé. Il part déjà à l'église, mais il va en cachette. Il n'y a pas de problème qu'il aille en cachette. C'est bon qu'il aille en cachette. C'est bon qu'il aille accompagner d'autres personnes. Au départ, il n'accompagnait personne, mais aujourd'hui, il a commencé déjà à accompagner les gens. Bien aimé, s'il a déjà commencé à accompagner les gens, ça veut dire qu'il finira par aller s'asseoir lui-même. Et c'est comme ça. Donc, arrêtons de vivre et de croire que tout autour de nous, il n'y a pas les gens qui nous observent. Le jour que tu fais un faux pas, bien aimé, le faux pas que tu feras va encourager quelqu'un d'autre à qui n'a même pas encore connu le Seigneur. Multiplier ses faux pas. Et le jour que tu fais un bon pas, bien aimé, ça va encourager quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur à poser aussi un bon pas. Hey, est-ce que tu comprends cela, bien aimé? Nous sommes liés. Nous sommes liés. Nous sommes liés. Le Christ copie, Christ imite son Père. Christ imite son Père. Et le chrétien imite Christ. Et le mondain imite le chrétien. Voilà comment les choses sont organisées. Beaucoup de personnes t'observent. Beaucoup de personnes font des choix en fonction des tiens. Beaucoup de personnes veulent te ressembler. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles veulent te ressembler. Bien-aimé, ne t'occupe pas d'elles. C'est sûrement parce que ta vie impacte d'autres vies. Ta vie est un témoignage. Même si toi-même, tu ne vois pas ces choses dans ta vie, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire. Parfois, moi, je suis surpris. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Je n'ai pas de financement. Peut-être que je n'en ai pas, bien aimé. Mais parfois, je suis comme ça. Mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle depuis l'Afrique. Il me donne une somme. Il me dit, je veux que tu me trouves 300 000 là-bas. Je veux que tu me trouves 400 000. Il le dit simplement. Hein. Il le dit simplement. Pour lui, c'est une blague. Je veux que tu me trouves 400 000 là-bas. Je reste confiant. À un moment donné, je me dis, il ne faut pas que je perde mon charisme quand même. Il ne faut pas que je perde mon charisme. Il demande 400 000. Bien aimé, ça nous pousse parfois à mentir. Parce qu'à un moment, tu m'as dit, non, c'est que j'ai beaucoup de charges. Tu n'as pas beaucoup de charges, tu n'as pas d'argent. C'est vrai, lui, il regarde en toi, il voit l'argent. Quand il te voit, il voit que tu as l'argent. Ne mens pas. Ne mens pas, dis pas à la personne que vraiment on va voir dans 2 jours, on va voir dans 3 jours. Non, dis-lui que là, tu n'en as pas. Mais si tu réussis à en avoir, tu lui donneras. Ne dis pas que je n'en ai pas ou bien j'ai des charges. Tu n'as pas de charges. Pour parler des charges, il faut d'abord avoir. Et pour dire maintenant, tout mon argent part dans les charges. Non, c'est que tu n'en as pas. Dis-lui que tu n'en as pas. Il sait que tu en as, bien-aimé. Et il sait que tu as réussi à avoir de l'argent. Donc, ne lui dis pas que tu n'en as pas. Si tu lui dis que tu n'en as pas, si tu lui dis tu es occupé à faire ceci, bien-aimé, il ne te comprendra pas. Il ne te comprendra pas. Mais dis-lui la vérité que là où tu vois, je n'en ai pas. Pour le moment, je n'en ai pas. Je suis dans ceci. Mais ce qui dépasse, ce qui dérange ces personnes, c'est cette gloire que nous reflétons. C'est cette lumière que nous reflétons. C'est cette joie que nous reflétons. Oh, la joie n'est pas dans le matériel. Le bonheur n'est pas dans le matériel, mes bien-aimés. Le bonheur n'est pas dans le matériel, mais le bonheur est dans le salut. Le bonheur est dans la paix interne que nous pouvons avoir. Le bonheur est dans la paix de notre âme que nous pouvons avoir. Les philosophes appellent cela tharassie, la paix de l'âme. Quand tu as la paix dans ton âme, bien-aimé, même si tu dors affamé, bien-aimé, même le jour que tu dors affamé, tu dors dans les louanges. Le jour que tu dors sans manger, tu dors dans les louanges. Et ça fait en sorte que les gens vont te voir le lendemain. On ne pourra pas savoir que le type s'il n'a pas mangé la nuit. On ne pourra pas savoir que la fille s'il n'a pas mangé la nuit. La femme s'il n'a pas mangé. Ce monsieur n'a pas mangé la nuit. Bien-aimé, parce que tu rayonnes. C'est ça. Et il faut que tu continues à être celui-là que les gens peuvent suivre de jour comme de nuit. Bien aimé, peu importe le lieu où tu te trouves, sache que les gens t'observent. Les gens t'observent. Les gens te regardent. Et j'aime toujours prendre les exemples sur moi. Je prendrai les exemples sur d'autres personnes. Bonsoir Daniel. Je dirais toujours, beaucoup de personnes, dans ma famille par exemple, j'ai beaucoup de petits frères, beaucoup de cousins, quand je dis petits frères, cousins, ils sont nombreux, les cousines, ils sont nombreux. Et de temps à autre, ils ont commencé à faire des choix bizarres dans la vie. Et ceux qui fument, ceux qui prennent la drogue, ceux qui font ceci, des délinquants.
des délinquants. Alors, chaque fois qu'on faisait une réunion, chaque fois qu'on faisait une réunion, et ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, pour leur poser la question, ils disent, attends, vous dites, dites-nous, vous voulez ressembler à qui? Voilà votre grand frère, l'aîné. Il n'a jamais fumé. Il dit même fumer la simple cigarette, là. L'alcool, il ne connaît pas. Vous, vous prenez l'exemple là chez qui? Vous imitez qui? Vous copiez qui? Vous copiez qui? Vous prenez votre exemple là chez qui? Vous voulez ressembler à qui exactement? Vous voulez ressembler à qui? À qui voulez-vous ressembler? À qui? Donc, j'ai surpris quand on me dit maintenant, non, ça veut dire que même les parents, à un moment donné, connaissent que celui-ci, il est différent quand même des autres. Il est différent des autres. Bien aimé, les gens t'observent. Les gens t'observent. Et quand tu vas le faire, tu comprendras que beaucoup de personnes sont venues dans le Seigneur à cause de ce que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes à qui on n'a pas besoin de réciter les versets bibliques. Hein. Pas de récitation de versets bibliques. C'est-à-dire, les évidences vont convaincre certains à suivre ton Dieu. Il dit, nombreux sont comme ça. Nombreux vont te suivre sans, c'est-à-dire que sans que tu leur donnes les versets. Non, on va lire dans Jean 3, verset. Va lire dans Jean, va lire Jean 17, verset 3. Va lire ceci, va lire cela, va lire ceci. Bien-aimé, il faut que nous comprenions que les gens nous observent. Les gens opèrent les choix en fonction de nous. Les gens opèrent les choix en fonction de nous. Les gens nous observent. Ils te regardent. Ils te regardent. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que nous sommes conscients que la plupart des choix que les gens font, c'est par rapport à nous? Est-ce que nous sommes conscients que la plupart des décisions que beaucoup de personnes prennent, c'est en fonction de nous, bien-aimés? Si tu es conscient de cela, tu verras donc que tu peux changer le monde. Tu peux transformer le monde. Christ a transformé le monde parce que les gens ont vu ce qu'il faisait. Et les disciples ont voulu faire comme lui. C'est pour cela. Et le monde aujourd'hui copie l'Église. C'est normal. C'est normal que le monde copie l'Église. Bien-aimés, les gens t'observent. On croyait que tu blaguais, mais on se rend compte que tu es sérieuse. Tu es vraiment sérieuse dans ta démarche. Tu es vraiment sérieux dans ta démarche. Les gens t'observent. Alors, apprends déjà, bien-aimé. Oui, bonjour, Élisée. Apprends déjà à accepter ce que tu as. Apprends déjà à accepter, apprends déjà à valoriser ce que tu as. Apprends déjà à valoriser qui tu es. Apprends déjà à considérer et à aimer ce que tu es. Bien-aimé, réjouis-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de ce que tu es. Parce que c'est ce que tu es que les gens suivent, pas ce que tu seras. Ils ne sont pas dans ta tête pour savoir ce que tu vas être. Non. Mais ils regardent ce que tu es. Bien-aimé, et c'est parce qu'on pense que je suis en train de dire ce matin. Tu dis, les gens ne sont pas en train de suivre ce que tu vas être. Ils suivent ce que tu es. La parole est très forte. Le mot est très, la phrase là est très puissante. Si les gens t'imitent aujourd'hui, si les gens te copient aujourd'hui, si les gens veulent faire comme toi aujourd'hui, ils ne font pas par rapport à ce que tu... La preuve en est que tu n'as pas dit à plusieurs tes projets. Nombreux ne connaissent pas tes projets. Mais comment tu ne seras donc pas heureuse? Comment tu ne seras donc pas joviale? Comment tu n'auras pas donc le bonheur? Alors que les gens veulent déjà être ce que toi tu es là. Alors que les gens copient déjà ce que toi tu es. Alors que les gens observent déjà et veulent déjà faire comme toi. Pas par rapport à ce que tu vas être, mais ce que tu es. Ce que tu vas être dans ta tête, ce n'est pas dans leur tête. Ils ne connaissent pas ce que tu penses être. Ils ne connaissent pas ce que toi tu projettes être. Mais ils connaissent ce qu'ils voient. Et c'est ce qu'ils voient là qu'ils imitent. Ça veut dire que réjouis-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de qui tu es. Réjouis-toi parce que jusqu'à présent, tous les choix que tu fais, les gens imitent tes choix. Ça veut dire que tu fais les bons choix. Tu connais. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est béni ce matin par ce message. Je ne sais pas si quelqu'un saisit réellement ce message ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est édifié par ce message, par cette parole aujourd'hui. Parce que nous avons tendance à toujours mépriser qui nous sommes, à toujours croire que je n'ai pas encore. Je ne suis rien. Pasteur, je suis même quoi? Pasteur, prie pour moi, je veux ceci, je veux cela. Mais je t'assure. Je t'assure. Si on te présente, si Dieu pouvait ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses voir le nombre de personnes qui veulent devenir ce que toi tu es aujourd'hui. Si Dieu pouvait t'ouvrir tes yeux, ton entendement, pour que tu puisses entendre, qui peut ouvrir même tes oreilles afin que tu entendes ce qui se dit dans le monde,
dans le monde au sujet de ta réussite. Au sujet de ta réussite. Je dis au sujet de ta... Quand tu dis, mais pasteur, tu parles de quelle réussite? Je n'ai pas encore réussi. Je dis au sujet de ta réussite. Je parle, nous sommes aujourd'hui le 20e, le 27 août 2017. Je parle d'aujourd'hui, ta réussite d'aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Et c'est quand tu vas apprécier ce que tu as aujourd'hui que Dieu va augmenter afin que tu sois quelqu'un que les gens vont toujours apprécier. Pourquoi? Parce que si les gens t'apprécient déjà en Christ aujourd'hui, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va attirer les âmes à Dieu. Tu es un appât que Dieu utilise. Tu vas attirer beaucoup de personnes à Dieu, bien-aimé. Les gens suivent dans le peu que tu as déjà aujourd'hui, que toi tu trouves peu. Ce que tu trouves peu. Les gens imitent le peu que tu as, bien-aimé. Comment toi-même tu ne serais donc pas heureuse? Comment tu vas donc croire que ton bonheur viendra de ce que tu n'as pas encore, alors que les gens trouvent déjà le bonheur dans ce que toi tu es, Saint-Esprit de Dieu? Combien de personnes travaillent aujourd'hui à être comme le pasteur Sylvie William que je suis? Combien de personnes travaillent aujourd'hui nuit et jour pour être comme Rosemonde Afana? Combien de personnes travaillent aujourd'hui jour et nuit pour être comme Zara Charisma? Combien de personnes travaillent aujourd'hui pour être comme Hélène? Combien de personnes aujourd'hui travaillent, Seigneur, comme tu as fait? Je t'assure, bien-aimé. Je veux que tu comprennes une chose. Tel que tu pries souvent pour Sarah, Seigneur, tel que tu as béni Sarah, tel que tu as béni Sarah, bien-aimé, sache que les gens prient aussi quelque part dans le monde entier. Seigneur, tel que tu as béni Sarah, tel que tu as béni Didi, tel que tu as béni Gigi, tel que tu as béni Rosemonde, tel que tu as béni le pasteur Stevie, tel que tu as béni Blesse, Blesse et Beau, tel que tu as béni, bénis-moi aussi. Et toi, tu ne reconnais pas que tu es béni. C'est comme voir Sarah, pendant que les hommes sont en train de prier, que Seigneur, bénis-moi tel que tu as béni Sarah. Sarah, lui, là, il ne reconnaît pas qu'elle a été bénie. Pendant, c'est comme voir Jacob, pendant que les gens sont, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Jacob. Bien-aimé, pendant ce temps, Jacob lui sait que non, tu ne m'as pas béni. Il court, il fuit Esaü. Il court, il fuit Esaü, son frère. Il fuit, il a peur. Oh Dieu, te dit que... Tu cours, tu fuis même quoi? Tu fuis quoi? Tu n'as pas à avoir peur. Tu es béni. Le monde reconnaît que tu es béni. Le monde sait que tu es béni. Regarde comment ils sont en train de prier. Ils leur demandent que je les bénisse comme je t'ai béni toi. Pendant que ce temps, toi, tu cours. Tu cours. Tu es en train de courir. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Tu vas où? Tu es béni. Gisèle Dubas, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Sache que les hommes t'observent. Beaucoup de personnes prient à ce que Dieu, de manière à ce que Dieu les bénisse comme il t'a béni, tel qu'il t'a béni. Je suis conscient de cela. Je suis conscient de cela. Et quand tu seras conscient de cela, Seigneur, tu vas toujours le glorifier. Tu vas toujours le célébrer. Tu vas toujours l'adorer parce que tu comprendras une chose, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Car sans lui, notre vie n'a pas de sens. Car sans lui, notre vie n'a rien. Car sans lui, Mimi, Mireille, Fabiola, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose, continue à te le dire, que si les gens envient ce que toi tu as, il le prie. Il le prie. Seigneur, donne-moi comme tu as donné à Mimi. Donne-moi comme tu as donné à Mireille. Donne-moi comme tu as donné à Nina. Donne-moi comme tu as donné à Rosemonde. Donne-moi comme tu as donné à Zara. Donne-moi comme tu as donné au pasteur Stevie. Donne-moi comme tu as donné à Liliane. Donne-moi comme tu as donné à Angono. Donne-moi comme tu as donné à Alida. Donne-moi comme tu as donné à Tel. Donne-moi comme tu as donné à. Donne-moi comme tu as donné au coach William. Donne-moi comme tu as donné au coach Darcy. Donne-moi comme tu as donné au coach Thierry. Donne-moi comme tu as donné au coach Joanna. Donne-moi comme tu as donné au coach Amel. Donne-moi comme tu as donné à Tel. Donne-moi comme tu as donné à Rosita. Donne-moi comme tu as donné à Liliane. Donne-moi comme tu as donné à Juju. Donne-moi comme tu as donné à Tel. Donne-moi comme tu as donné à C. Donne-moi comme tu as donné au pasteur. Donne-moi comme tu as donné. Donne-moi la sagesse que tu as donné au pasteur. Donne-moi la sagesse. Et pendant ce temps, moi, je suis en train de dire, Seigneur, je ne suis pas sage. Donne-moi la sagesse de Salomon. Moi, je veux la sagesse de Salomon. Pendant que les gens sont en train de prier, donne-moi la sagesse du pasteur Stevie. Bien-aimé, n'est-ce pas une abomination? Ma prière n'était pas une abomination devant Dieu? Oh, bonjour, Bombo. Bonjour, Stevie William Chengwe. Pendant que nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous sommes toujours en train de projeter notre bénédiction ou alors notre bonheur en fonction de ce que nous n'avons pas. Bien-aimé, Dieu a déjà donné à tout un chacun. Allez à l'hôpital et c'est là que vous allez vous rendre compte que nous devons à tout temps et en tout lieu être reconnaissants car ce que Dieu a fait pour nous est merveilleux. Ce que Dieu a fait pour chacun de nous à son niveau, je dis bien chacun de nous à son niveau. Quelqu'un en train de prier pour être comme toi,
Pendant ce temps, toi, tu couvres que tu n'as rien. Je veux que tu comprennes. Marcelunda, pendant que moi, je prie pour jouer au piano comme toi, toi, tu trouves que tu es un petit pianiste. Tu es un petit pianiste. Ne dis plus jamais cela. Tu es un grand pianiste. Tu es un grand pianiste. Ibrahim Konaté, que Dieu te bénisse. Il faut que chacun soit conscient de ce que Dieu a déposé dans sa vie. Parce que beaucoup de personnes t'observent et les gens font les choix. Voilà, j'ai mon camarade qui est là. Vous l'avez sûrement vu. Beaucoup de personnes, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Moi, je l'ai, il est en ligne. Steve William Shengwe. On a fait le lycée ensemble. Il joue au basket. Très bon basketteur. Je me rappelle encore que quand je commence à jouer, c'est lui qui m'inspire parce que on était dans le même quartier, on rentrait régulièrement ensemble. Et quand on rentrait, il nous parlait toujours du basket. En fait, je voyais en lui un dieu du basket, quoi. Mais je ne pouvais pas, parce que parfois, on a un petit orgueil au fond de nous, on n'arrive pas à le dire simplement. Je le voyais, et chaque fois qu'il rentrait au lycée, quand à nos temps de pause, il partait, il joue au basket et tout. Le coach William le connaît aussi très bien. Il partait, il joue au basket, et je le voyais, le gars était talentueux et tout. Mais quand moi j'ai commencé à jouer au basket, peut-être c'est qu'il n'a pas remarqué, je suis en train de faire une déclaration sur moi ici. Pendant, c'est quand je commence à jouer au basket, j'ai commencé à faire ce que lui il faisait, c'est-à-dire quand les gestes que moi je voulais faire, c'est les gestes que lui faisait déjà. Mais pendant ce temps, lui il avait une aspiration parce que on avait quand même un groupe qui était très bien, monté, qui était très bien organisé. Il y avait cadet A, cadet B, cadet machin, travaillant arrivé en junior. Lui, son aspiration, parce qu'il était carré à dos, c'était les gars qui étaient quand même au sommet par rapport à nous. Nous, on était à l'école de basket. Donc, quand lui, il jouait, lui avait une aspiration de partir au niveau junior. Moi, je voulais seulement qu'on m'intègre, même en cadet, même c'est cadet I. Mon cadre, mon premier, c'est cadet I. Donc, je voulais faire les gestes comme lui, les petits passements de jambes, les petits trucs. Mais en réalité, pour vous dire, à quel niveau est-ce qu'on peut vouloir imiter quelqu'un alors que la personne n'est pas consciente de ce qu'elle a. Donc, je ne suis pas sûr que mon pote, mon frère, connaissait le niveau qu'il avait en fonction, c'est-à-dire de mon observation. Pour moi, il était déjà à un niveau de Jordan, quoi. Pour moi, c'était Jordan. Pour moi, lui, c'était Charles Barkley. Mais pour lui, je suis sûr qu'il n'imaginait pas que pour moi, il était une source d'inspiration. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous vivons. Il t'a dit, t'assures. Bon, je t'assure, c'est comme ça que je te voyais. Mais je ne te l'avais jamais dit. Je ne te l'avais jamais dit. Mais je t'assure, si j'ai joué au basket, c'était parce que je te voyais jouer au basket. Tu jouais tellement bien au basket. Tu prenais du plaisir à jouer au basket. Tu dis que waouh, le gars, comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il fait ça? Et j'ai dérangé mes parents parce qu'il fallait que j'aille jouer au basket et parce qu'ils voulaient être avec Steve Williams. Et c'est comme ça. Ça a beaucoup influencé. Beaucoup de personnes influencent nos vies comme ça. Et je vais vous dire, chacun de nous a quelque chose que quelqu'un peut vouloir en nous. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé dans sa vie, que d'autres personnes peuvent apprécier et que d'autres personnes veulent. Donc, pendant que les gens sont en train de voir que toi, tu es béni. Amen, 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 homonyme. Amen. Beaucoup de personnes peuvent croire que vous n'avez rien. Tu peux croire que tu n'as rien, mais je veux que tu comprennes que les gens font des choix en fonction de tes choix. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. N'oublie jamais cela. Peu importe le niveau où tu es. Peu importe la scrap, le niveau de la scrap, à quel niveau de la scrap de la société est-ce que tu te trouves. Que tu sois ce qu'on appelle pauvre, je dis au milieu des pauvres, il y a encore plus pauvre. Que tu sois riche, au niveau des riches, il y a les riches. Au niveau des gens qui sont moyens dans la société, il y a ceux qui sont moyens. Quand nous allons dans nos villages, et sortant de la ville, nous sommes des rois là-bas. Nous sommes des rois. Et quand ceux qui sont au village vont encore enfin au fond de la brousse, ils sont les rois là-bas. Imaginez, pendant que certains sont en France, d'autres, certains qui sont en France rêvent des États-Unis comme si c'était les États-Unis étaient le sommet ou alors le plafond de leurs rêves. Donc, c'est un peu ça. Donc, je venais vous donner ce petit enseignement, ce petit conseil ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre aimable attention pour tout. Que Dieu vous bénisse et que vous sachiez que Dieu vous aime tel que vous êtes et que les gens vous observent. Les gens vous observent. Si vous êtes sérieux, vous allez conduire beaucoup de personnes à Dieu. Vous n'avez pas besoin de rester les versets bibliques aux gens jour et nuit. Les gens vont suivre votre Dieu. Merci, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, mon frère William. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini pour cette matinée. Je vais chanter une dernière chanson et après quoi? Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée.
sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. S'il faille adorer quelqu'un, c'est toi que j'adorerai. S'il faille louer quelqu'un, je te louerai. Apprends-moi à t'aimer, à compter mes voix, car c'est toi qui m'as aimé, oui, aimé le premier. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Merci parce que tu as permis que nous puissions comprendre, oh mon Dieu, que tu nous as bénis. Même si nous ne voyons pas, avec Dieu puissant, Seigneur, beaucoup de personnes peuvent le voir dans notre vie. Beaucoup de personnes, oh Dieu tout puissant, nous prennent comme des modèles, nous prennent comme des exemples. Éternel Seigneur, nous ne voulons pas décevoir ces personnes, encore moins te décevoir. Seigneur, trois fois saint, parce que si nous nous attachons à cette marche, si nous continuons à marcher ainsi, Éternel, nous croyons qu'un maximum de personnes reviendra à toi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons, oh mon Dieu tout puissant, impacter en étant des modèles, nous voulons impacter, oh Dieu puissant, Seigneur, en présentant, oh Dieu trois fois saint, Seigneur, avec Dieu au monde, oh Dieu puissant, des évidences. Seigneur, merci parce que tu as permis que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo. Je sais que nombreux la verront en replay, Éternel. Je sais que tu vas bénir ces personnes à travers, mon Dieu, cette vidéo. Père, béni sois-tu parce que, papa, cette journée s'achève. Nous savons, oh mon Dieu, que nous allons commencer une nouvelle semaine avec la grâce, avec la force, avec surtout le courage de pouvoir, Seigneur, de puissant aborder les autres, Seigneur, sachant, oh mon Dieu, que tu as déposé quelque chose en nous de différent qui peut attirer un maximum de personnes. Seigneur, trois fois saint, sois béni parce que, Père, cette semaine, demain, oh mon Dieu, nous allons encore prier pour ceux qui ne parviennent plus à prier, pour ceux qui ne parviennent plus à méditer ta parole, pour ceux qui ne parviennent plus à l'écouter, pour ceux qui ne parviennent plus, oh mon Dieu, à jeûner. Seigneur, nous voulons prier pour l'Église, prier pour les pasteurs, prier pour tes serviteurs, ceux-là que tu as choisis et qui sont tombés. Seigneur, parce qu'une armée, oh Dieu puissant, Seigneur, il y avait Dieu à abandonner le combat. Mais mon Dieu, mon roi, cette armée, oh Dieu puissant, Seigneur, qui devrait protéger ton peuple, oh mon Dieu, ceux qui devraient prier pour tes enfants, ceux qui devraient, oh mon Dieu, conseiller, ceux qui devraient enseigner ta parole à tes enfants sont tombés. C'est pourquoi demain, oh mon Dieu, mon roi, tel que nous l'avons résolu, oh mon Dieu, selon ta sainte prescription éternelle, nous allons continuer à prier à travers ce jeûne, oh mon Dieu. Je prie donc déjà afin que tu soutiennes tous ceux-là qui vont faire ce jeûne, oh mon Père, tous ceux-là, oh mon Dieu, qui vont s'aligner, oh mon Dieu, tu puissant, afin d'encourager ceux qui sont tombés, afin de relever ceux qui sont tombés, oh mon Père, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir tenir, donne-nous la force de pouvoir tenir, bénis-nous en cette semaine, donne-nous la joie, oh mon Dieu, que nous puissions la transmettre aux autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ces quelques minutes que nous avons passées ensemble. Demain, comme je disais tantôt dans la prière, nous allons prendre notre journée de jeûne, comme vous le savez déjà. Nous jeûnons chaque lundi pour le corps du Christ. Nous jeûnons pour nos frères dans le Seigneur. Nous jeûnons pour les pasteurs, pour les prêtres. Nous jeûnons pour les apôtres. Nous jeûnons pour les évêques. Nous jeûnons pour les prophètes, pour les prophétesses. Nous jeûnons pour tous ceux-là qui sont tombés dans la foi, pour ceux qui ne parviennent même plus à prier aujourd'hui, parce que nous croyons que nous sommes nombreux sur la terre à pouvoir célébrer le Seigneur, mais il y a un grand nombre qui est tombé, qui ne parvient plus à marcher, qui ne parvient plus à avancer, qui a abandonné le combat. Et la Bible nous dit à Ézéchiel que cette armée que tu vois, que tu as ressuscitée, c'est l'armée d'Israël. C'est l'armée d'Israël. C'est eux qui devaient en principe défendre la cause d'Israël.
celui qui devait protéger, défendre les causes, les intérêts d'Israël, mais malheureusement, ils sont tombés. Aujourd'hui, ils ont besoin que quelqu'un élève la voix afin qu'ils puissent se ressusciter, afin qu'ils puissent se relever, afin qu'ils puissent revivre. Donc, ta voix compte, bien-aimé, ta voix compte. Si tu pries pour quelqu'un demain, ta voix compte. Si tu pries pour un pasteur demain, ta voix compte. Que de critiquer les pasteurs, que de critiquer l'Église, bien-aimé, que l'Église prie pour elle-même, que l'Église prie afin qu'elle sorte et qu'elle se réveille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Demeurez bénis. Shalom. Merci de partager, hein. Merci de partager. Merci de partager. Merci de partager surtout. C'est très important. Quand tu partages, tu fais du bien à quelqu'un. Quand tu partages, tu permets à ce que le maximum de personnes soient édifiées. N'oublions pas la loi de l'offre et de la demande. Bien-aimé, plus beaucoup de personnes demandent, alors Dieu va continuer à offrir. S'il y a beaucoup qui demandent, qui ont besoin, qui sont édifiés par ces enseignements, alors Dieu va continuer à remplir son serviteur que je suis. Il va continuer à me parler afin que le maximum de personnes soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Nina. Shalom, shalom, shalom.